c'est Louis Kenzetiel, qui en pile le monde connaît sous nom Quelle Photographie. Moi, c'est informaticien, web designer de formation et photographe de profession. Moi, je spécialise mon portrait parce que le portrait, c'est une vraie représentation de une personne et qui montre mon nom tel quel. Et moi, je spécialise tout dans l'éditorial. Moi, je spécialise dans le mariage. Et mariage, c'est un très bel événement et revivre un mariage à travers l'image, c'est une plus belle expérience que on peut vivre puisque moi-même, moi assuré que je capte toute émotion, tout feeling, toute envie que mon yoga sur visage, expression que yoga yo, et ça, c'est un bagage que vraiment passionné. Ça a un petit bout de temps que je crée Quelle Photographie Studio. Par rapport avec inconvénients que m'te konn gagné pour moi-même créer et difficultés qui t'es konn gagné pour l'aimer une idée pas qu'à vraiment concrétiser tout de suite et problème d'espace, matériel etc. Et moi vinn mettre sous pied Quelle Photographie Studio. Et là, il vinn bénéfique avec un paquet d'autres photographes, pour pas dire un paquet d'autres jeunes photographes et qui dans commune là et qui bénéficient de l'espace là. Qui c'est une belle et initiative que je t'ai décidé pas et je suis très fier que je t'ai pris l'initiative. Okay. L'amour pour photographie, lui, son pareil qui remonte loin. Parce que avant que je t'ai photographe, moi j'étais mannequin tout en époque. Et l'expérience que je t'ai fait avec des autres photographes, c'est souvent très intéressant et moi-même en tant que modèle, j'étais qu'on gagne inspiration par que j'étais qu'on proposer qui pas souvent prendre en compte et ça t'est qu'on provoquer la caille moins un petit problème, un petit sensation ou bien un petit sentiment de mépris que mépris à vivre qu'on gagne. Et à partir de là, j'ai décidé bon faut moins qu'on fait photo. Et moi j'ai démarré avec un Nikon D40 à l'époque que j'ai gagné, mais c'était juste pour me prendre plaisir parce que j'ai aimé faire ça. J'ai commencé, là on a parlé vraiment de 2012-2013 et moi j'ai vraiment commencé à prendre photographie au sérieux, c'est vraiment à partir de 2014, de 2015 côté que moi j'ai réalisé tout ça me fait yo gen une appréciation bon côté moi même personnellement et en plus beaucoup font paquet d'autres amis de monde qui pas même reconnaître moi et au final me dit bon c'est quelque chose à prendre en compte faut vraiment font bagaille de concret et de là étant commencer et suivre des formations en ligne checker des amis pour bande des conseils sur des amis qui déjà photographe et qui capable des conseils et bande qui choisit le matériel que me peut utiliser etc. Et de là étant, on commence vraiment à améliorer comparativement avec les photos que j'ai fait en 2012-2013. Là, tout commence à changer le matériel. Et bon, paquet d'expériences qui fait jusqu'à Compadi. Et c'est peut-être l'expérience qui grandit dans la photographie jusqu'à Konya. Moi pas considéré que moi fait des belles et des mauvaises expériences vraies. C'est vrai qu'il y a des expériences qui pire au sens où à l'aise la donne, puis confortable et on apprend plus. Mais en tant qu'artiste, moi crois que toute expérience a une importance par eux. Toute gain valeur par eux puisque c'est eux-mêmes qui forgent en tant que monde et en tant que professionnel tout. Donc, ils fait partie d'apprentissage. Et je n'ai pas vraiment considéré que c'est des mauvaises expériences. Ambition. Il y a une photographe américaine qui c'est Anna Lulebovitz, que en fait, le monde connaît dans le monde, sous le nom Annie Lebovitz. Et il fait un paquet d'exploits dans la question de photographie. Et ils sont photographes de portraits, de photographier des stars. Et 2012, c'est là que j'ai découvert tout
dans la photo cover qu'elle a fait avec Rihanna pour Vogue Magazine. Et en 2017 encore, elle a fait une photo pour famille royale, Reine Elisabeth. Et tout ça, c'est des expériences qui vraiment les m'a suivi. Que moi-même, l'ambition, c'est réaliser tout. Moi, j'ai ambition tout pour moi, ambassadeur. Yon marque que moi, utilise en pile. Que moi, je pas obligé de voiler là. Mais l'ambition, c'est représenter Max ça. Et dans l'année qui va venir quand même. Conseil en pile. Mais par rapport avec développement et évolution que photographie numérique là vient subir, fait que un matériel, un caméra numérique vient plus facile pour mon acheter kounya. Tout le monde a accès à faire une photo. Tout le monde a accès à jouer un matériel yo n'importe qui côté et ceci à rabais. Donc vient un paquet de monde qui possédait des caméras numériques. Ça fait tout que bon paquet de problèmes qui viennent créer dans le domaine pour jeunes photographes. Jeunes photographes qui apprend d'assaut. Et monde ça qui prend plaisir yo, gain en caméra ou bien grand monde à l'étranger dit ah bon caméra pour moi là, on va photographe, on va faire photo shoot. Mon photo shoot ça lui-même principalement causer un paquet de dégâts. C'est qui ça? Moun ki pa comme terme précis yo, moun ki pa photographe yo ki se le client, et gen de moun ki dupe yo nan sans sa fè ou comprendre que photoshoot la son l'autre bagay. Or un photoshoot li signifie littéralement séance de photo. Donc moun yo yo même gen un ensemble de moun ki pren plaisir yo, ki dit être yo photographe, et ki fè moun yo kwè que un photo shoot c'est une photo avec arrière-plan flou. Or, il pas ça du tout. C'est uniquement une séance de photo. Et conseil moi pour monde ça, c'est peut-être prendre le temps pour nous comprendre secteur, prendre le temps pour nous apprendre et différentes facettes que secteur ça gagne la donne. Apprendre de monde qui était là avant nous, qui était commencé avant nous, parce que il y a un pile à offrir. Et l'important tout pour nous kembe pour un dit professionnalisme nous kembe dignité nous tout, parce que nous pas ca abdi ou bien convainc client yo de on série de barrières qui pas ça du tout juste pour nous ca augmenter prix nous il pas gain trop sens. Et une fois que nous contrat avec un client qui formé et qui informé sur secteur là, la prendre compte que c'est menti nous à Bali, et ça il pas vraiment bénéfique pour nous. Si nous prenons temps pour nous apprendre tout principe, toute technique qui existe, c'est sûr que nous fait des très bonnes photos et nous aller très loin. Action. Moi c'est Louis Yenzi Etienne. Moi c'est pour son monde. Voilà. C'est pour moi portrait, c'est un vrai représentant. Après ça, ça tout. On a déjà tout. On continue. Bon, c'est lui même moi. Oh, allez, qu'on soit campé.